Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve une nouvelle fois pour Dinkum, on est en plein dans l'événement de Noël. Alors je vous avais dit que je vous retrouverais quand les cerisiers auront donné des cerises. J'en ai toujours pas, j'en ai un petit peu marre de les attendre, mais comme j'ai un peu joué de mon côté et que j'ai un petit peu harcelé, on va dire, les pauvres kangourous, j'ai récupéré quand même 126 cerises, donc je pense qu'il y a quand même moyen qu'on aille chercher des choses très sympas. Du coup, on va aller voir ça ensemble et je vais vous montrer. On a une petite quête à aller valider. J'ai regardé avant de lancer pour être sûr. Alors, pour le moment, j'ai fait un petit enclos ici où j'ai gentiment posé des petits kangourous de Noël pour voilà, que ça fasse un petit peu de la déco. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais y aller comme ça. Je suppose que ces kangourous disparaîtront après Noël, mais ça, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour en profiter. C'est plusieurs jours, ils n'ont pas des pop, donc je pense que c'est bon. Alors, pour ceux qui découvrent, vous avez régulièrement des quêtes d'investigation sur le tableau où on vous parle d'un kangourou volant dans le ciel la nuit. Et du coup, il vous suffit de le chercher. C'est un point d'interrogation bleu normalement. Où est-il? Là. Il faut se rendre à cet endroit-là. Là, on a notre petit Nick, on ira le voir aussi. Et du coup, on va se mettre en chemin. Alors, je pense que dans un premier temps, on va aller faire l'enquête. Et en fonction des objets qu'on aura, on reviendra ici enlever des choses de notre inventaire. Parce que sinon, on n'arrivera peut-être pas à acheter tout ce qu'on veut. Donc, on va déjà faire. Bah alors, je ne l'ai pas coché. C'est pas loin en plus, ça va. On va déjà aller chercher. Vous allez voir. Je vous en avais capturé plusieurs quand je jouais. Mais je vous montrerai tout simplement en fait ce que j'ai obtenu comme objet. Pas forcément la peine de vous remontrer en image. En tout cas, je trouve ça génial. Vous allez voir. C'est pas grand chose, mais en même temps, je trouve ça super bien pensé. Et moi, ça m'éclate. Hop, on y arrive. Regardez ce qui traîne. Un magnifique petit sac de Noël. Et dedans, on a des items. Bah forcément de Noël, donc on va le casser. Croisez les doigts pour que j'ai l'objet dont je voulais. Je vous dirai si c'est le cas. Non, ce n'est point le cas. Mais quand même. En fait, j'attends toujours la tenue du Père Noël. Mais en fait, là, je viens d'avoir un truc génialissime. On va aller le porter tout de suite parce que c'est tellement canon. Donc en fait, vous avez vu, il y a des objets spécifiques. J'ai eu des petites arches. On a le petit point du pôle Nord. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple que d'essayer de faire fonctionner. Oh, on a un kangourou, on vient de passer au-dessus. Alors, pour l'instant, si les cerisiers donnent rapidement des cerises, je vais peut-être un petit peu arrêter de les harceler, les pauvres. Hop. Alors, je vais ranger tout ce qu'on a récupéré. Donc, voilà, j'ai eu. On a le pantalon d'une elfe, le chapeau. J'ai eu du coup le manteau. Les chaussures, les arches lumineuses, ça c'est des planches pour aller dans l'eau. Alors ça doit être une arme, une petite canne à sucre. En décoration j'ai eu ceci, on a eu les cadeaux. Ça on l'avait acheté ensemble, j'ai eu à nouveau une hache pour l'occasion et les objets du pôle Nord et pour le Père Noël. J'ai uniquement le pantalon et les chaussures que j'ai sur moi. Donc je vais enlever tout ça et le ranger. C'est pas plus mal, je trouve, de pas avoir eu le Père Noël tout de suite parce que on va avoir le temps de profiter de petites abous. De petites abous en tenue d'elfe. Ah, j'ai appuyé sur les icônes. Oupsies. De notre petite abou en tenue d'elfe. Et franchement, c'est canon. J'aime trop. Elle est trop, trop choupette. Oh, je suis amoureuse. C'est énormissime. Et vous voulez faire une photo avec Zabou? Mais non, vous n'êtes pas très joisse. Ça vous dit pas d'arrêter de courir? Non? Venez près de moi, moi. À me faire passer pour une tortionnaire. Je suis gentille, moi. Vu ce qu'ils font, apparemment pas très gentil, non? Bon, allez. Du coup. Alors, je vais juste sur mon téléphone récupérer le wiki. Parce qu'on va pas y aller quand même...
Je vais juste ranger les trucs qui n'ont rien à voir, que je reprendrai plus tard. Voilà. Alors, il va me falloir plusieurs choses. La priorité, ça va être pour moi aujourd'hui, ça va être les tables. Donc, on avait vu que c'était des planches de bois dur, je crois. Il faut des cerises, forcément, et il me fallait des clous. Alors là, on va prendre la table et les chaises. Bois dur, des clous, des cerises. J'aimerais bien également, du coup, qu'on prenne le grand sapin. Alors, pour ça, il faut des ampoules, des bûches en bois dur, des pommes de pin. J'en ai. Jusque-là, tout se passe bien. Ensuite, je voudrais le parapluie. Donc là, il me faut du tissu. Il est là. Des bâtons de mangrove. Et ça. Et la serviette, il me faut également des tissus. Donc ça, j'en ai. Alors bien évidemment, il y a plein de choses hein, qu'on peut prendre. Là, ça sera pour faire le sol. Une pomme de pin et une bûche de bois dur pour faire le petit sapin. Ça va être déjà ma priorité. Il restera des choses à aller chercher, bien évidemment. Je regarde. Ah non, on va prendre encore quelque chose. Alors, du fil brillant. L'ampoule, c'est fait. Et il me faut des barres de fer. Jusque-là, c'est tout bon. Est-ce que j'aurai assez de cerises? Ça, c'est pas gagné, hein. Des planches en gomme. Et des clous, ça sera pour refaire des barrières. Alors j'aimerais bien quand même les cadeaux, donc il me faut. Les planches en gomme j'ai pris, les clous c'est fait, et les planches en bois de palmier. C'est ça. Écoutez, on va déjà se faire un aller. Je suis tellement contente. Vous n'avez pas idée, hein. Ça me rend complètement gaga ce jeu. Bon, un hélicoptère, viens ici. Allez, on va chercher Nick. Nick avec qui j'essaye désespérément d'arriver à faire une belle photo. Peut-être qu'il faudrait que je prenne l'appareil pour le faire. Alors, Nick, il est indiqué là-bas. Notre zaboulutin va enfin pouvoir aller se faire plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, normalement, d'ici 1 ou 2 jours, j'ose espérer que j'aurai mes cerises. Donc, je pourrais aller racheter encore des objets. Ça ne demande pas d'argent, donc ça, c'est bien. Après, je me rends compte que faire l'event pour en profiter sans être frustré, si vous n'avez pas l'hélicoptère, c'est pas ouf quand même, hein. Ah, il est là, notre Nicolas. Bonjour! Eh oh, petit père, tu parles à Zabou, oui? Oh, oh, oh! Alors, ben c'est parti, hein. Alors, on va faire dans l'ordre de ce qu'on avait dit. D'abord, je veux la table. C'est fait. Il me faut des chaises. Par 4, c'est toujours mieux, hein. Ensuite, je voulais faire du sol. Alors ça, de toute façon, comme ça prend qu'une cerise et que j'ai préparé plein de sucre et tout, je vais en prendre plusieurs. J'en ai une centaine, c'est pas trop mal. Et ben hier, il m'en restait, mais je vais quand même en refaire. Parce que je voudrais peut-être de l'autre côté faire un enclos avec des chiens blancs. Ça ferait un petit peu ben, loup d'hiver, hein, tout simplement. Alors, on va remonter maintenant, on va faire dans l'ordre. Un cadeau, le sapin, très important. Et en fonction de ce qui va me rester, on en fera d'autres. Parce que je veux ma petite plage de Noël quand même. Alors, les jacarous. Est-ce que ça, j'ai pas ramené? Tiens, je peux pas le faire. Il manque quoi du coup ici? Le quartz. Là, ah oui, il manque tout. Ok. Ok. Alors ça, on a fait, on a fait, on a fait. On n'a pas, on n'a pas. Si, on a fait, pardon. Ça, on n'a pas fait. Ça, il me faudra tout ça. Parce que ça peut être génial pour mettre sur la plage. Là, il faut que je ramène aussi des autres choses. On va prendre un mini sapin. Du coup, il me reste largement de quoi faire. Alors, je ne vais pas me priver, je vais reprendre des sapins de Noël. Encore un. Oui, je ne m'arrête plus. Vous ne rêvez pas. Mais si vous saviez, depuis quand j'attends cette mise à jour? C'est un truc de fou.
Alors, on va peut-être aller chercher du coup ce qui manque sur les derniers objets. Comme ça, on peut revenir et après, on essaiera de mettre tout ça en place. Allez, petite elfe de Noël. Regardez-la. N'est-elle pas belle, notre elfe de Noël? Elle est canon, cette tenue. Ah, j'ai hâte d'avoir celle du Père Noël aussi, hein, mais celle-là, elle est énorme. Elle est juste énorme, en fait. Ça va, on n'était pas loin, en plus. On va essayer de faire tout le reste, hein. Alors, on avait dit qu'il me manquait. Il y a des choses que je peux ranger, je pense. Alors, attendez. Les objets pour la fabrication, je les avais mis ici. Je vais tout ranger et on va reprendre pour que je m'en sorte plus facilement. Du coup, je voudrais faire la cheminée. Alors, pour la cheminée, il me faut des pierres. Je sais pas pourquoi je crie, hein. Vous inquiétez pas, ça va aller. Enfin, je suis pas sûre, mais du ciment, on en a là. Des planches en bois dur. Et il me faut un feu de camp. Donc le feu de camp, il faut qu'on aille le fabriquer. Ensuite, il y a quel objet que je n'avais pas pu faire? L'épouvantail. Alors il me faut des bûches. Ok. Du spinifex. Perles. C'est à peu près tout normalement. Et il y avait les lampes que j'ai pas pu faire, forcément, j'avais pas pris. Ah, j'ai pas de quartz sur moi, tiens. Il me faut ça et ça. Donc on va regarder si j'ai du quartz ailleurs. Et il y avait également un autre objet que j'ai pas fait. Ah oui, la petite radio. Alors pour la radio, il me faut le circuit, les écouteurs. Qu'est-ce que cette chose? C'est ça. Là, et du coup, ils me font des barres en métal qui sont déjà rangées. Bon, on va vite voler jusqu'à la maison pour faire le feu de camp. J'aurais dû mettre un établi ici, mais bon. Après, la maison est vraiment pas loin. Je sais, j'ai déménagé un petit peu pour les fêtes, mais oh, cette tenue, tellement belle. Alors, par contre, je sais plus ce qu'il faut pour faire le feu de camp. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, j'ai encore des choses à récupérer. Ah, mais il y a encore des cerises, il faut que je les prenne. Alors, le feu de camp, où est-il? Alors, mon jeu rame un petit peu depuis la mise à jour. Je pense que les lumières du centre-ville ont un petit peu de mal à passer. Mais sinon, ça va. Oh, bah, je peux en faire. On va en faire deux. On va prendre deux cheminées si on peut déjà. Petites bébêtes, elles font des bruits quand je passe. Sans mimi. Oh, cette tenue, les enfants! Oh, mon Dieu! Qu'elle est belle! Alors, du coup, vous allez régulièrement à cette quête pour le petit sac rouge qui s'affiche. Et c'est vraiment canon, je trouve. Alors, si je dis pas de bêtises, on doit avoir tout ce qu'il nous faut. On va juste poser la table, les chaises. On les pose n'importe comment, on s'en fiche. Hein. Pas trop n'importe comment quand même. Mais on les pose. C'est juste pour les enlever. Et tant qu'à faire, autant les voir. Hein. C'est super joli, je trouve. Vache! C'est... Attention. Alors les sapins, on peut déjà en mettre deux en place. Parce que j'avais laissé une place, j'espère que ça passe. Ah oui. Ah, c'est énorme. Zabou a 10 ans et découvre Noël. Et ça, je vous jure, les enfants, que ça n'a pas de prix. On peut pas mettre le sapin de Noël dedans? Ah si, j'ai tellement peur. Du coup, j'avais acheté un petit, non? On va mettre le petit là sur l'étagère. Non, pas là. Là, voilà. Petit sapin sur l'étagère. C'est pouf. Eh oui, j'ai 10 ans. Je crois au Père Noël et j'aime Noël. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'on faisait? On va chercher.
Chenic. Vous me verrez. Parce qu'en fait, là, je suis toujours la même matinée où je vous ai fait la précédente vidéo sur Noël. Il s'est à peu près passé 4 heures entre. Je n'ai pas lâché le jeu. Je ne suis pas sortie du bureau. J'en ai rien fait du tout. Et j'arrive pas à lâcher. Je dois avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Ça faisait hyper, hyper, hyper longtemps. J'avais pas ressenti ça en attendant quelque chose. Je dirais pas que c'est jusqu'à aller à ce que je ressentais quand Animal Crossing est enfin arrivé. Mais franchement, c'est ça, c'est impressionnant quand même. Et ça fait tellement du bien. Alors forcément, j'aime Noël, ça aide, hein. On est honnête. Allez, on se fait deux cheminées. On n'avait pas pris deux radios. Oh, c'est 10! Ah bah, on va peut-être pas en reprendre. Oh non, j'ai oublié le quartz pour la lampe. Pas grave. Eh ben du coup, on va se prendre ça. Et maintenant, bon, on va attendre que notre petite cerise pousse. Ouais, 10 pour la radio. Ouh, plaisante pas, hein. Au revoir, Nick. Salut, hein. Et nous voilà. Il y aura un petit peu de ménage à faire, mais ça va aller. Du coup, je voudrais en tout premier remettre un peu de barrière de l'autre côté pour voir comment je peux prévoir un petit parc à loups. Ça peut être sympa, je trouve. Alors, on va pas faire un truc gigantesque non plus, hein. Ah bah non, mais là, c'est très petit quand même, Zabnette. Oh, ce jeu. Si j'avais su en le lançant cet été que ça ferait ça, j'aurais pas cru. Parce que franchement, des jeux qui vous remuent comme ça et dont vous n'arrivez pas à vous lasser, bah, c'est quand même relativement rare de nos jours. Il y a beaucoup de jeux, malheureusement. Donc du coup, on a souvent tendance à passer plus ou moins à côté de certaines choses. Et on ne profite pas forcément. Mais là, bon, bah, j'ai presque 600 heures, 500 heures de jeu. 600, je sais plus. Alors, je peux vous dire que j'en profite, clairement. Alors, je mets pas de porte, comme ça, aucune chance pour qu'il s'échappe. On va nettoyer ça. Voilà, comme ça, j'ai fait mon petit enclos ici. Je sais ce qu'il me reste comme barrière. Elles sont, franchement, encore une fois, je le dis, tellement belles. On finit le ménage, on enlève les trucs qui ont repoussé. Et on va se faire un truc de fou, je pense. Alors, ça ne sera pas terminé dans cette vidéo, hein. Forcément, il va y avoir d'autres choses. Alors, les appareils qui sont là, on va déjà les enlever. Je les avais préparés à la base, c'était pour faire le... Je vais ranger ça à l'intérieur, je les rangerai plus tard. C'était pour faire tout ce qui était sucre et autres. Ça, je vais ranger. Les coffres, il faudrait que je les enlève aussi, mais comme ils sont pleins, ça va être compliqué. Bah, c'est pas grave, je les enlèverai plus tard. On va se faire. Alors, ce que je ne sais pas encore, ce que je vais faire, c'est avec ce chemin. D'ailleurs, en parlant de chemin, je voulais essayer quelque chose avec celui qu'on a été acheté lors de la précédente vidéo. J'enlève. Je voulais tout simplement le mettre ici à la place de celui-ci. Je vais l'enlever. Il l'a dépanné hein, parce que je voulais du rouge, mais je l'aime pas. J'ai vraiment du mal. Les carrés, je trouve, sont pas jolis. J'aurais préféré que ça fasse aspect pavé comme on a justement les vieilles dalles moussues autour. Alors on va voir si ça c'est plus joli. Ah, ça doit faire plus Noël avec le rouge or. Ah oui, c'est bien plus joli. Je peux peut-être encore remettre là. Et encore un là. Hop! C'est bien plus joli. Alors je ne sais pas si je continue le chemin ici ou pas. Dans mon idée, j'aurais voulu bah, utiliser forcément hein, le... Oh, les dalles en pain d'épices, mon Dieu, que c'est beau! Ça va être...
Elles font un bruit chelou quand je les pose. Ça va être un petit peu là qu'on va mettre la table, je pense. Ah, mais ces chaises. Ah, de toute façon, les meubles, il faut que j'aille en farm, je sais pas combien. De toute façon, j'ai plus de vie jusqu'à au moins 10 jours. C'est pas comme si j'avais d'autres jeux en route. Pas grave. Quand on aime, on compte pas. C'est un de cases. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Bon, 6. J'arriverai pas à avoir quelque chose de stable, je crois. Donc, je vais pas faire ça. On va faire ça plutôt. Ah, je suis vraiment pleine, pleine, hein. On va placer le sapin au milieu. Comme ça. On a eu des cadeaux. Il y en avait par là, je crois. J'avais rangé des choses. On va mettre une petite place avec des cadeaux ici. Ça, c'est un coffre, en fait. Si j'ai bien compris. Ouais, ça, c'est cool. Ça va être très pratique. Ah, du coup, vous savez quoi? On va commencer par stocker des objets là, déjà. Des objets de Noël. Comme ça, ça prendra moins de place. Si je peux, après, supprimer les coffres, c'est pas plus mal. Alors, l'idée, c'est que je vais supprimer, enfin, plutôt déplacer les coffres. Je vais peut-être garder pour l'instant, en tout cas. Je vais les mettre là, sur l'arrière. Donc je vais remettre tout ce qui est matière première dont on a besoin. Ça j'en ai besoin, c'était pour faire le sucre et tout le reste. Donc là on a tout ce qu'il faut pour craft. C'est déjà pas mal. Dans celui-ci, j'ai beaucoup plus de choses à récupérer. Est-ce que j'y arrive? Nickel. Là, j'ai un petit peu plus de choses, bah, les choses qu'on a récupérées, notamment au niveau des quêtes. Et du coup, j'ai des choses que j'ai posées là en attendant. Alors ça, ce sera pour utiliser. Hop, je remets les objets de Noël pour l'instant. Enfin, tout ce qui va me servir pour la déco de Noël. Le reste sera des choses qu'il faut que j'aille ranger chez moi. Ça, je garde au cas où ici. Ça, c'était ma petite tenue en attendant. J'avais une robe rouge, bah voilà quoi. On est pas mal du tout comme ça. Ici, j'ai mis des objets. Ah, bah j'ai mis la déco de Noël là aussi. Ça, c'est les meubles et ça, c'est les meubles des enquêtes. Pas mal, je trouve. Je vais peut-être mettre un deuxième cadeau ici. J'hésite, en fait. Je vais le mettre comme ça. On va laisser ça au centre. Alors, du coup, pour ma table et mes chaises, il me faudrait quelque chose qui fasse 4 cases. Donc, on va aller chercher. Ben, ça, hop, hop. Les chaises. On est bon. Et on va se faire la petite terrasse ici. Alors, le truc, c'est qu'on va encore une fois pas être centré. Mais on n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Faut respecter, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais laisser forcément ça pour faire dalle de terrasse ou si par la suite, je ne vais pas inverser et mettre ça en chemin et peut-être les rouges. Peut-être le rouge en sorte de terrasse. Ça pourrait être sympa à voir. De toute façon, là, on est vraiment qu'au tout début, donc il va falloir que je revoie de mon côté. Ah oui. Ah oui. Donc, 3, ça me suffit en fait. Pas la peine d'en mettre trop. Alors, autant je peux pester sur les demi-cases des fois dans Animal Crossing, mais là, elle m'arrangerait. Cette terrasse, elle est canon au possible. Est-ce que j'arrive? Je sais plus si j'en ai fait. Combien j'en ai fait? Est-ce que je voudrais faire une plage, c'est sûr? Ah, cool. Je vais juste aller voir ce que ça fait. Je voudrais mettre bah, un parasol ici, en fait. Franchement, je trouve ça sympa, en fait, de mettre
De l'été dans Noël, en fait. Je sais pas comment vous dire. Alors ici, j'aurais voulu débarrasser un petit peu la plage pour avoir vraiment une plage dédiée à l'event. Bon, tout ça, on ira se bazarder après, hein. Et du coup, je voulais faire ma plage ici. Je la remettrai certainement en forme en rajoutant un peu de sable ou autre. C'est là-dedans que j'ai mis, hein. Ouais. Ah, j'en ai pris que 3 des serviettes à crotte. C'est pas grave. Oups, je me coince dans les arbres. Je regarde le durée de la vidéo pour pas que ce soit trop long non plus. Mais c'est tellement énorme. On peut pas passer à côté. Alors du coup, il m'en faudra encore une. De toute façon, j'en récupérerai d'autres, hein, c'est sûr. Hop. Et je remets là en décalé. Donc je vais la placer là, la deuxième. Je les ai mises comme ça. Et là, du coup, sur la première, comme ça fera un spot un peu fini, je mets la musique. Oh, on en entend vraiment, hein. Regardez si elle est pas canon, cette plage de Noël. Alors bien évidemment, je vais la décorer, hein. On va pouvoir mettre des petits objets. Ça va être sympa. Là, par exemple, j'aurais pu faire un chemin qui monte. Vous voyez? Qui nous ramène tranquillement ici. Après, ça va être plein de petites choses que je vais finaliser entre deux vidéos. Le principe étant quand même de vous montrer un petit peu les décorations. Après, je ne suis pas obligée de passer mon temps à faire que ça, hein. Mais du coup, c'est très sympa. Je vous propose qu'on aille dormir. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais ranger ici pour l'instant? Je vais ranger ma robe là qui ne sert à rien. Oh, il me reste 2 cerises, c'est atroce. Peut-être, je dis bien peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait des cheminées? Attendez, attendez. Je dis bien peut-être qu'on pourrait avoir les cerises le jour suivant. Mais là, pour le coup, ça ferait vraiment une vidéo très longue. Oh, regardez comme c'est beau. Ça va trop bien avec cette maison. Alors du coup, le canapé va plus du tout. Faudrait que je le change et que je mette un fauteuil pour bien faire. Ah là, il dépasse. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire ça pour l'instant. Je vais l'enlever, en fait, le canapé. Si je le mets là, ça fait un peu ridicule, non? Ah, ça fait piège chargé, mais après, c'est pas grave. Allez! Petit lutin fait dodo. Mais il faut se lever, petit lutin de Noël. Allez, on croise les doigts. Je vous cache pas que j'ai coupé 2-3 journées en off parce que bah, il n'y avait pas de mission. J'aimerais bien qu'on le laisse cette fois. Et yes, investigation. On va pouvoir aller se faire ça avant d'arrêter la vidéo. Du coup, c'est où? C'est ici. On va chercher l'hélico, ça ira plus vite, hein. Si je me coince pendant une demi-heure contre le bâtiment, je suis pas sûre, mais... Et après, je reviendrai, du coup, je vais racheter encore moins des objets, essayer d'un petit peu d'avoir de nouvelles cerises. Et on va pouvoir continuer la déco parce qu'il y a quand même pas mal à faire. Je me suis fait un gros espace, donc il va falloir le remplir. Bah, du coup, je n'ai pas coché. À chaque fois, ça me fait le coup. C'est où? C'est là. C'est parti. Mes petits kangourous de Noël sont toujours dans leur enclos, donc pour l'instant, c'est cool. À croiser les dents, on aura peut-être la tenue du Père Noël aujourd'hui dans le sac. Ça serait canon. Même si je vous avoue que la tenue de lutin, elle est tellement belle. Un petit kangourou de Noël. Et la voilà!
C'est trop joli. Franchement, je trouve cet objet très sympa, hein. J'aurais pas une hache, ça ferait une jolie image, hein. Regardez, hop, petite capture. Bon, allez, la hache. Croise les doigts. Oh, on a une couronne. Du coup, j'ai eu quoi? Oh, excellent! Excellent, avec la couronne d'épines. J'ai à nouveau le chapeau là. J'ai récupéré quoi d'autre? L'étoile qui est là. Et j'avais pas vu l'autre objet? Ah bah non. C'est trois. Donc celui-ci, la couronne et à nouveau le petit chapeau d'elfe. Bah c'est canon. Eh bah écoutez, je vais pas vous reprendre jusqu'à la maison. On va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo aujourd'hui. Franchement, bah, vous l'avez dû sentir à ma voix. Hein. Moi, je suis en kiff total, j'adore cet event, c'est super joli. Franchement, c'est très bien pensé et bon, on a du mal à le lâcher. Alors du coup, j'ai hâte de voir vos réactions en commentaire, donc n'hésitez pas à en laisser tout plein, à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.